qu'est-ce qu'un photographe ? Il était nécessaire, à mon sens, de vous faire partager une petite semaine dans la vie d'un artisan de la chambre de métier, dans la vie d'un photographe de mariage depuis 15 années en Guadeloupe. Réalisé avec ce téléphone, dans la plus grande humilité, avec une application gratuite. Donc après avoir testé, je vous encourage à faire de même, parce que c'est très sympa, ludique, et beaucoup plus léger que tous les appareils que je transporte d'habitude. Bien entendu, s'il s'agissait pour un photographe de juste voyager, faire de la prise de vue, un peu de post-traitement, rigoler, aller surfer, ça serait trop beau. Un photographe professionnel est avant tout un chef d'entreprise qui fait de la gestion, de la comptabilité, qui répond aux mails des clients, qui gère un planning.
également chez vous, mais aussi sur les murs du Conseil national des barreaux. Merci, nous avons beaucoup aimé cette photographie. Vous pouvez voir que derrière cet enfant qui est courbé sur une grille, on voit un pancarte très fier. Donc on peut imaginer que c'est un tribunal ou un lieu moins avenant qu'un tribunal. Merci. Du Conseil national des barreaux il y a quelques jours. Je suis très touchée, il s'agit d'une photographie réalisée en noir et blanc en juridiction lors d'un reportage global que j'ai réalisé sur la justice en Guadeloupe. Le photographe ne doit jamais être passif, le photographe ne peut pas être une sorte de larve qui suit les gens et qui fait des photographies en utilisant son petit doigt. C'est impensable, on marche sur la tête. Le photographe a une préparation sportive pour tenir sur le terrain de 15 à 17 heures de terrain en portant un matériel qui est lourd et enchaîner des journées de prise de vue et des nuits de post-traitement entières. Ça, il faut en être conscient. C'est un métier extrêmement physique et il faut se donner véritablement à fond.